Salut à tous les amis et content de vous retrouver sur Fantamap Games. Aujourd'hui, la suite de l'aventure sur Subnautica. Tandis que la Lune se déplace à la vitesse folle et que nous pouvons presque la slam dunker directement sur le soleil. Et la dernière fois, nous avons fabriqué notre Simov. Vous êtes au courant, on est parti un petit peu dans les eaux profondes. Mais ça ne va pas, il nous manque énormément de stuff. Et bien sûr le stuff le plus important qui va nous manquer, ça va être le fameux Cyclope. Le meilleur bien sûr moyen de transport dans ce jeu, puisqu'il te permet d'aller dans des profondeurs bien plus profondes que les 200 mètres du Simov. C'est pour ça que la dernière fois j'ai pris des risques inconsidérés, j'aurais pu crever, puisque mon petit submersible ne me permettra pas d'aller aussi profond. Alors pour l'heure, on va simplement se fabriquer une base, ça va être extrêmement important. C'est quelque chose à laquelle j'avais renoncé il y a quelques épisodes de cela, puisque je pensais qu'il fallait la faire plus profonde, mais je pense qu'il nous faut une base temporaire, vraiment une base très temporaire, pour pouvoir ranger notre bordel et surtout améliorer notre stuff, puisqu'on a récupéré les plans pour ce faire. On pourrait se mettre pas très loin d'un truc, on pourrait, allez, on va le faire comme ça, en mode rien à péter. Alors, c'est assez chiant la manière de on peut pas le poser comme on veut, tu vois, on peut pas le poser comme on veut. Bon, le terraforming fait que il va bouffer la montagne, et qu'au final, on va avoir une salle correcte. Je pourrais directement faire une écoutille, comme j'aurais pu faire un couloir. Pour l'instant, ne gaspillons pas notre titane. Si, hein. On va gaspiller notre titane. Le gars qui se renie direct. Direct! En vert? Couloir en vert? Pourquoi pas? Pourquoi pas, on ira chercher du quartz un petit peu après. Et on ira donc se faire une petite écoutille. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Je fais ça parce qu'en fait ça va être essentiel d'améliorer le stuff. Notamment recharger les piles. J'ai une collection de piles vides de malades. Et il n'y a que là-dedans qu'on va pouvoir enfin poser des armoires décentes. Ok. Alors bien sûr on est au courant. Il nous faut des panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est ce qui nous donnera instantanément de l'oxygène pour une raison complètement obscure. Voilà. De titane, de quartz. Donc j'ai épuisé tout mon quartz hein, sur ce coup-là. Et je pense que... D'un coup, regarde! Regarde cette magnifique base, mon petit Fanta! Bien sûr, welcome aboard, qu'est-ce que tu crois? Nous aurions pu mettre des fenêtres. Il me manque deux verres. Ok, moi j'aime bien l'idée des fenêtres. On va démonter, hein. on va arrêter ce bordel. Et on va vraiment se concentrer sur l'électroménager, tu vois, le truc essentiel. Notamment le rechargeur de piles, essentiel, kit de câblage, circuit intégré. Circuit intégré, je crois que j'en ai de quoi en faire un. Qu'est-ce qui est plus important? Station de modification ou rechargeur de piles? On a tellement des piles. Je pense à la station de modif. Il faut se faire une raison. Alors, on aurait pu faire aussi notre crafter ici. Bon, on va... Pour l'instant, on va continuer à assumer le fait qu'on n'est juste pas prêt. On va faire de temps en temps des petits déménagements. Et on a vu donc kit de câblage... Circuit intégré, hein, c'est bien ça. Hein. Kit de câblage, circuit intégré. Alors je crois qu'il me manquait... Il me manquait des coraux. Mais pas les coraux qu'on a l'habitude, plutôt ce genre de coraux là. C'est pas des coraux ça, si c'en est. Un corail plat. Il me faut des corails plats. Ok, échantillon de corail plat, il m'en faut un autre. Un petit, voilà, parfait. Ok, je remonte à la surface et on va s'assurer qu'on a bien tout le stuff. Non mais là, ça prend tournure. En plus, je sais pas, il y a une mise à jour, on a nettoyé la décharge du coin, c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, l'idéal c'est de faire un cyclope, hein, on est tous au courant. Cela dit, les cyclopes, il va falloir scanner 9 morceaux de cyclope répartis dans... plein de biomes différents. Voilà, donc 3 fois 3.
3x3 morceaux de cyclope. Ça va être chaud. Et avant qu'on ait un cyclope, autant qu'on améliore notre stuff, au moins on sera plus équipé pour tout ce bordel. Ah, c'est pas mal ça. Cutter laser, bon, ça on connaissait. Ouvrir certaines choses. Je regarde, hein, je regarde. N'empêche, ça serait pas mal qu'on ait un truc aussi pour voir la direction, moi, genre un baromètre, tu vois. Armoire imperméable, ok. Ok, ne perdons pas de temps. Il me faut kit de câblage, circuit intégré. Kit de câblage, c'est 2 minerais d'argent. Ça, on en a. 1, 2. Donc on le fait. On sait les chercher aussi. Hein. Kit de câblage. Super. Et circuit intégré. Circuit intégré. Ça va être 2 échantillons de corail, j'avais bien prévu. Un quartz et un minerai d'argent. Ok. Alors un minerai d'argent et du quartz. Bon, on va le chercher juste à côté. Ça devrait bien se passer. On va y aller avec le Seaglide. Hop. Alors, du quartz, ça m'a l'air d'être du quartz. Si j'en trouve plus, je le prends parce que je vais faire aussi des vitres dans ma base, autant qu'elles soient agréables à regarder et à vivre dedans. Du quartz, il n'y aurait pas de quartz particulièrement dans la zone. Bien sûr, on va vider nos piles à une vitesse folle. C'est toujours sympa aussi de partir à la chasse au quartz la nuit. Alors aussi, si vous voyez un morceau de cyclope, mais pas de simof, hein, de cyclope, que vous savez à quoi ressemble le cyclope, n'hésitez pas, si vous voyez le moteur ou autre chose, vous mettez dans la vidéo à quel endroit, comme ça, si j'y reviens, quoi. Enfin, j'essaye. Ok, j'en ai récupéré 4, c'est pas énorme, j'en ai sûrement raté. J'en ai sûrement raté, parce qu'il va nous falloir du verre. Ok, bien sûr, on va épuiser la pile qui nous reste. Bon. On fait pas trop de la merde. Ok, la pile est morte. Putain, il me faut le chargeur de pile. Il me faut le chargeur de pile, mais c'est encore relativement facile. Qu'est-ce qu'il nous faut vraiment? Je pense que le chargeur de pile est plus important. Hein. Vous en conviendrez. Et parce que vous en convenez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeté mon fabricateur, il est où? Je l'ai jeté? C'est pas vrai. Pas vrai! C'est pas vrai, j'ai pas jeté mon fabricateur. Non, allez, dis-moi que je l'ai mis dans le... Dis-moi que je l'ai mis dans le coffre. Ouais, oh putain. Ok. Minerai d'argent, du quartz, etc., etc. Donc on va faire un rechargeur de piles, les amis. Voilà, et puis c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. Rechargeur de piles qui se fait avec la technique suivante. Clac. Rechargeur de piles, verre, ok. Fil de cuivre, circuit intégré. Fil de cuivre, on va pas pouvoir, mais j'ai 2 cuivres en bas. Circuit intégré, on va pouvoir, on va le faire même tout de suite. Ça sera bien de pouvoir en faire un deuxième, hein. On le sait ça. Il me manquera un minerai d'argent et un corail plat. C'est possible d'en faire un deuxième. Donc on va d'abord recharger les piles. Ok. Vert. Je croyais que j'avais du vert, mais non. Je vais tout utiliser. Hop là, c'est bon pour le verre. Et... Putain. Et fil de cuivre. Le cuivre, j'ai déposé 2 morceaux de cuivre, je crois, dans les armoires avant de commencer. Puisque vous avez pu remarquer que j'étais full bouffe, full hydratation. Donc c'est pas ici. Ici, j'ai rangé l'œuf. Non. Non. Cuivre, c'est de l'argent, du sel. Ok. Cuivre.
Heureusement, j'en aurai que deux. Et deux, c'est pas super super. Deux, c'est pas super super. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Pour un début de base. On aurait pu faire ça dès les premiers épisodes, mais bon, chacun fait ce qu'il veut dans l'ordre dans lequel il veut. Fil de cuivre. Et nous allons fabriquer notre fucking rechargeur de piles. Pour cela, je vais prendre toutes les piles en ma possession, qui sont bien sûr vides, vous en conviendrez. Et ça va quand même, on va pouvoir avoir un tel stock de piles qu'on aura des recharges pour le Simov, parce qu'on va faire des batteries avancées. Et on va... Tiens d'ailleurs, est-ce que ça, ça charge les batteries avancées? Ah non, c'est le truc qui a besoin de batterie, ça se recharge pas ça? Auto-rechargeante, bah si bien sûr. Auto-rechargeante. J'aime bien ça. Ah non, on peut pas les prendre. Batterie de capacité auto-rechargeante. On peut pas s'en servir pour charger nous-mêmes. Bon, pas grave. Puisque le cyclope permet de recharger lui. Le cyclope permet complètement de recharger. Alors, est-ce qu'on a bien fait de mettre ça là? Non, clairement pas. On va démonter cet écoutille. On va démonter le couloir vitré. Mais je ne peux pas. Parce que je suis full. Pas grave. Qu'est-ce qu'on va jeter à terre? On va le jeter ici. Allez, un peu de titane. On va continuer de démonter. Hop là. On va le mettre par là parce que autant que le chemin soit le plus court. Couleur vitrée. Pour le swag. Ici. Ok. On l'a récupéré et ici on va faire notre écoutille. Voilà. Toute analogie avec une forme phallique ne vient que de votre esprit pervers, les amis. Pervers. Très bien. Nous allons nous fabriquer donc notre électroménager essentiel, le rechargeur de piles, qui ne prend pas de place d'ailleurs. J'ai bien envie de le mettre ici, moi. Sur ce panneau moche. Ouais. GG. Alors, je change le bouton. À quelle vitesse ça va? Dis-moi que ça va très vite. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, les piles ne finiront de nous encombrer puisqu'on va pouvoir complètement en abuser maintenant dans le Simov. Ajouter un circuit intégré dans ma combinaison, je sais pas ce que ça ajoute. Est-ce que c'est ça qui me permet de voir le nord-sud-est-ouest? Ça serait vraiment pas du luxe. Je pense que oui. Je pense carrément que c'est ça. Cependant, ça va pas être la priorité. La priorité, ça va être la station de modification. Il me manque qu'un circuit intégré et c'est faisable. On l'a vu que c'était faisable. Puisque il me manque qu'un bout de corail. Peut-être de cuivre, je suis pas sûr. Je crois que c'était argent. Ok. On remonte, on va essayer de... Je crois que j'ai de l'argent en stock en haut. On me fait un petit circuit intégré, on est bon. Circuit intégré. Hop, c'est pas ici, c'est là. Minerai d'argent, super. Chose qu'on a bien... on a bien récupéré le minerai d'argent. Hein. Dans les Grassy Plateaux, on a pris des risques et ça a valu la peine. Question. Si je mets le circuit intégré dans... Ah, ça ne va pas. C'est pas le genre de circuit qu'il veut, d'accord. C'est quel genre de circuit que tu veux? Peut-être plus tard. Peut-être plus tard sur un autre stuff. Du coup, je me mets en 5. Je regarde. J'ai tout ce qu'il faut pour fabriquer ma station de modification. Et on va pouvoir upgrader notre stuff. Ce qui est good. Voilà. On est pépère, là. On est bien. Welcome aboard, Captain. Mais welcome, bien sûr. Station de modif. Quoi? Ah, il faut la mettre là. J'aimerais... Bon, après, c'est vraiment...
On va mettre au milieu quoi. On va pas mettre un aquarium ici, faut pas déconner hein, on est quand même au milieu de la mer. Oh. Alors je peux améliorer mon couteau en une lame chauffée qui fera plus de dégâts. Réservoir d'air en un réservoir léger. Le lithium est très rare, donc je pense que le plastacier est plus intéressant. On n'a pas encore trouvé de lithium. Par contre, du titane, on peut en trouver. Au niveau des palmes, ça serait pas mal qu'on les améliore, faut pas déconner. Recharge votre équipement pendant que vous nagez. Ouais, mais quel équipement? Simov, laisse tomber quoi. Non. Par contre, caoutchouc en silicone, on prend. Et le canon à propulsion. À répulsion. Ah! Oh. Oh oh. Très intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer d'autre? Un cadre photo sans utilité. Titane, kit de câble à circuit intégré pour faire un fabricateur ici, mais bon. Une armoire murale essentielle, les amis. Essentielle. Et un relais de com, on s'en fout un petit peu. Donc je pense qu'il va nous falloir des armoires murales. Ah, il y a armoire et armoire murale. Ah ouais. Stockage mural. J'aime bien mural, moi. Je sais pas laquelle est la plus intéressante. On a suffisamment accès au titane pour aller le vérifier par nous-mêmes. Il y a bien du titane qui traîne là-dedans. Oh non, non, non. C'est pas ça que je voulais faire. Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Non, mais. Ah, unknown. Ok. Il n'y a pas de titane là-dedans. Si, il y en a deux. Il y en a deux et on les prend. Les minerais d'argent, on aurait pu les monter. Je pense qu'on pourrait échanger les minerais d'argent avec le titane qu'on a là-haut. Histoire que les meilleures ressources soient à l'abri. J'ai déjà mis tout le minerai d'argent. Hop, attention, je récupère la pile. On a du piper à sécher. Ça tombe bien, j'ai faim. Et on a une autre bouteille d'eau. On va procéder à une hydratation en bonne et due forme. Puis faire assécher. Autre bouteille d'eau. Eh non, on n'a plus d'eau. On n'a plus d'eau. Mais on a du sel. Est-ce qu'on a du sel? On n'a pas de sel. Il y a du sel en bas. Et on a des coraux. On va faire un petit peu une vraie bouteille. Et on va sauvegarder. Ce sera parfait. J'ai vu des coraux moi là-dedans. Un truc comme ça. Tout à l'heure. Préparant l'épisode. Ah non, le sel. Voilà, c'est ce que je cherche. On va prendre deux. Ok, c'est good. C'est très good. Et ça, je voulais l'éjecter. Hein. Sérieusement, la graine de palmier, laisse tomber, ça prend une place folle. Hop là. Hop là. Voilà. Voilà. Ici. Ici, on a du sel, des coraux, de l'argent, de l'or et du plomb. Ok, on ne s'inquiète pas plus que ça. On va pouvoir fabriquer une bouteille d'eau. Ne perdons pas le fil. Ne perdons pas le fil. Tiens, ça on peut le récupérer aussi, c'est pas perdu. Clac. Javel. D'abord la javel. Hop là. Encore la javel. Hop là. Très bien, la flotte. L'eau c'est la vie. Bim. Et pouf! Putain, t'as vu? Commentaire de qualité. Clac, clac, sauvegarde. On est full et on en profite. Comme ça, si jamais on perd lamentablement, ce qui est mal barré, hein. Là on est vraiment en train de s'équiper, ça, on risque pas de perdre. Les champignons acides ne vont pas servir du coup dans l'état actuel des choses. Je n'ai pas regardé si j'avais accès à plus de titane dans le coin. Les coraux, on va les mettre là. Ah non, peut-être pas. Peut-être prendre un argent et faire. Qu'est-ce qu'on va fabriquer? Prochain truc qu'on fabrique, c'est quoi? On a dit une armoire murale. Une armoire murale. On fait une armoire murale et on voit. Ok, on le fait. Ok. Oh, elle est balèze. Moi j'aime bien.
propre. Ok. Oh oh, sublime. Alors les piles sont-elles... Non, elles sont pas toutes rechargées, mais cela dit, on pourrait... Modifier, ouvrir. On pourrait y balancer déjà tout ce qu'on a besoin, qu'on n'a pas besoin. Par exemple, notamment les piles. Les piles, échantillons de corail, on va garder. L'or, on va pas garder. Putain, ouais, bien, 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 Fanta. On est bon, là. On est bon, là. On commence à y voir clair. Alors. On peut améliorer ça avec une pile. Bien sûr, c'est rechargeable. Haute capacité. C'est parti, mon kiki. On était à 75. Et nous sommes à 135. Réservoir d'eau 2. Haute capacité. On va le mettre là. Attends. Très bien. 135. Et je vais essayer de simplement poser l'autre. 105. Donc on se retrouve avec la même quantité, mais beaucoup plus de place dans notre inventaire. C'est pas négligeable, hein, les amis. C'est pas négligeable du tout. Surtout quand on pourra faire du plastacier après. Pas négligeable, mais... oui, pas négligeable, mais on va pas faire plus parce qu'en fait, à partir du moment où on a le Sea Glide, le Sea Moth, on n'a pas besoin de plus d'oxygène, on a vraiment besoin de plus d'inventaire. Ok, c'est good, on va continuer à y balancer des trucs là-dedans, genre ça, un peu d'argent, du quartz, pourquoi pas. Donc il va me falloir quand même beaucoup de titane, je regarde ce que je peux fabriquer avec mon constructeur. Encore une autre armoire éventuellement. Un relais de com, on s'en fout. Un fabricateur, ce serait pas mal. Mais c'est pas essentiel. À mesure, on l'a déjà. Par contre, qu'on améliore nos palmes, ça paraît quand même essentiel. Amélioration des palmes. Palmes qui... ultra glissantes. Il me faut des caoutchoucs en silicone. Caoutchouc en silicone. Je sais pas si vous vous rappelez. Ça se fait avec des vignes d'orine. Port de champignons. Ok, non, je regardais, c'était pas ça que j'avais balancé maintenant. Vigne d'orine. Vigne d'orine ou graine de vigne d'orine? C'est ça qu'il va falloir. Un caoutchouc. Graine de vigne d'orine. J'ai oublié combien il m'en fallait. Bon, on va en chercher 4. On va en chercher 4. Et on y va quoi? On y va. Avec ça. Santé 66, il se permet, hein. Il se permet des choses, il se permet de s'abîmer, hein, le petit appareil. La dernière fois, on n'a pas été abîmé, mais là, il nous dit si, en fait, ces animaux que tu croyais inoffensifs ont bien niqué ta structure. Ok, on va sortir. Oh, bien sûr, le gars, il fait du photobombe, quoi. Le gars, il s'y croit. J'y crois pas, là. Salut. Ok. Putain, ces expéditions facilitées. On commence à être confortable, on se l'avoue. On commence à être très confortable. Le gars, il écrase 2-3 poissons au passage. Ok. Comment je vais le réparer, ce truc-là? Est-ce que le fabricateur répare? Est-ce que j'ai un réparateur? J'ai oublié comment on répare. Soudeuse, soudeuse, bien sûr. Hop là. Et voilà! On est quasiment immortel! Sauf contre le... le Léviathan, quoi. Ok, c'est good, ça. On va pouvoir faire les graines d'orine. Oui, tout à fait. On va faire directement le silicone dont on va avoir besoin. En plus, je crois que j'avais un silicone en stock ici. Oui, en fait. Mais bon, c'est pas gênant. Ça peut servir. Donc, ce que je propose, c'est de réduire la taille du truc. C'est de faire un lubrifiant. Oh, putain! Ouais. Un lubrifiant. J'aurais voulu faire un lubrifiant et un caoutchouc en silicone, mais c'est pas grave. Et le lubrifiant, on va le mettre à l'abri. Ok, donc on est plutôt bien là. Hein. Un piper à sécher, on va le prendre. On est plutôt bien.
Si je voulais faire un autre kit de câblage, je me ferais ça. Ok. Ok. Comment je fais pour faire une autre batterie vraiment cool? Haute capacité de 2 piles et caoutchouc. Oh bah ouais, mais il aurait fallu une graine de plus. Du coup l'utilisation du lubrifiant n'a pas été avisée sur ce coup là. Bon, cependant on ressent la progression quand même hein. On ressent une progression positive. Ah, il m'en fallait deux. Il m'en fallait deux. Bon bah on y retourne, on est chez nous, c'est pas pour le temps que ça nous a pris. C'est pas pour le temps que ça nous a pris, hein. On va pas se laisser démonter. Voilà, 76%, le mec il nique direct. Il nique direct. Alors on va pouvoir améliorer notre... Là vous voyez, il y a des modules sur le vaisseau. On va pouvoir l'améliorer ce vaisseau, mais pour cela il me fera une station de modification des vaisseaux. Voilà. C'est pareil, il va falloir le scanner. Hop là. Ouais, on va faire ça. On va récupérer. Alors, 1, 2, 3. 3, comme ça, ça fait 2, tu vois. Ça fait 2. Ça fait 4. Quand tu penses à tout. Avec les recharges de piles, on va être bon. Le problème, c'est qu'on n'a pas la recharge. On n'a pas les recharges de batterie. Mais on a tellement de piles en stock qu'on peut se faire quand même pas mal de batteries. C'est ça qui est bien. Les batteries avancées. Pour cet appareil gigantesque et merveilleux. Ok, qui descend à 200 mètres de profondeur. Hop. Et on va arrêter là. Dès qu'on aura fabriqué nos nouvelles palmes, et bien sûr, on va faire un essai avant-après. Pour le swaggy swag. Clac, clac, clac. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à nous soutenir en mettant un like sur la vidéo. Ça nous aide, hein. Ça permet de référencer la vidéo, ça vous le savez. Et puis, pensez à vous abonner si c'est déjà fait. Vous pouvez apprécier du Subnautica dans la première saison. Mais celle-ci, a priori, est plus complète et plus proche de la réalité. Je vous rappelle que le jeu arrive bientôt à son terme. Très très bientôt, si on en croit le Trello. Le Trello qui est ce journal des développeurs. En tout cas, la dernière fois que j'avais regardé, c'était le cas. Les palmes. Ok. Les palmes. Ouais. Ah, j'ai pas fait le avant-après. Bon, c'est pas grave. On va être fixé quand même. Palmes ultra glissantes. Elles sont déjà en position. Ouais, quand même, hein. Quand même, hein. Question, est-ce que... Il n'y a même pas d'avantage à avoir un Simoff. Sérieusement. On va plus vite sans. On va aussi vite sans le Simoff, sans avoir besoin de piles. Enfin, le Seaglide. Regarde. Hop. Je ne ressens pas d'accélération. Alors l'avantage, c'est... Avec une simple... Ah, par contre, il y a une puissance d'éclairage qui est bien plus grande, hein, bien sûr, avec le Seaglide. Mais le Seaglide est encombrant. Le Seaglide est vraiment encombrant. Donc je pense que là, c'est une belle amélioration de notre stuff qu'on a pu vivre ensemble dans cette vidéo. Le petit like, le petit abo, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, c'était Fanta, et je vous souhaite un bon week-end si c'est le cas pour vous, une bonne rentrée si c'est le cas pour vous, et si vous regardez ça un petit peu plus tard dans le temps, bah, plein de bonnes choses. Allez, bisous!